Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, mesdames et messieurs les jurés, nous sommes en train de vivre avec ce procès l'injustice dans toute sa tragédie. Car enfin, c'est le monde à l'envers. Ma cliente qui, par charité, visitait les prisons, cette femme si noble, mère dévouée, épouse irréprochable, au passé exemplaire, se retrouve aujourd'hui dans le box des accusés, et ceci parce qu'une crapule notoire a essayé de la violer. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Se laisser violenter? Une femme violée est une femme humiliée pour la vie. Je vous demande de réfléchir aux conséquences d'une telle humiliation. De comprendre l'atteinte à la dignité humaine. De ressentir ce sentiment de dégradation et de penser à vos filles, à vos femmes, à vos mères. Lorsque vous jugerez, en votre âme et conscience, le poids de ce geste qui est un acte de légitime défense. Accusé, levez-vous. La cour et les jurés ayant délibéré, la réponse à la question « L'accusé est-elle coupable de meurtre sur la personne de Vadek Aslanian ?» est « Non ». Madame Stéphane Février, vous êtes libre. Accusé, levez-vous. La cour et les jurés ayant délibéré, la réponse à la question « L'accusé est-elle coupable de meurtre sur la personne de Vadek Aslanian ?» est « Non ». Madame Stéphane Février, vous êtes libre. Accusé, levez-vous. La cour et les jurés ayant délibéré, la réponse à la question « L'accusé est-elle coupable de meurtre sur la personne de Vadek Aslanian ?» est « Non ». Madame Stéphane Février, vous êtes libre.